Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous aimerions exposer les chiffres arabes. Il y a quelques astuces à noter concernant la ressemblance entre les caractères arabes, les chiffres arabes, et quelques notations en français. Tout d'abord, le chiffre 0 se note par un point. Les chiffres 1 et 9 s'écrivent pratiquement de la même manière. Le chiffre 5 ressemble à un 0. Les chiffres 7 et 8 ressemblent respectivement à un V et un V renversé. Le chiffre 4 s'écrit comme un 3 à l'envers. Le chiffre 3 a l'aspect de la lettre grecque petit oméga, c'est-à-dire W, collée au bout d'une barre verticale. Les voilà. Ici, on a le chiffre 0, 1, 2, 3, avec 3 dents. Le chiffre 2 a 2 dents. La barre verticale se positionne à gauche. 4, 3 à l'envers. 5 qui ressemble à un 0. 6 est comme le 2, sauf que ici la barre verticale est à droite. 7 comme un V. 8 comme un V renversé et 9 pratiquement pareil, sauf que ici il n'y a pas de courbure. Et pour écrire 10, on adopte de l'écriture de la gauche vers la droite comme en français. Donc on combine les chiffres 1 et 0. Exercice de consolidation. Pour écrire 2019, il faut combiner 2, 0, 1 et 9. 2019. 1438, 1, 4, 3 et 8. 1438. Pour faire la somme de 238 et 461, l'opération qui donne 699, 327 plus 259 nous donne 586. Dix plus 93 égale 103. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer la vidéo.